Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va tester le jeu Steam War Build. Donc j'ai le jeu complet. Je vous avais présenté une petite démo complètement en anglais. Là, j'ai le jeu complet. Donc, sortie officielle était le 1er décembre 2023. Il est à 30 euros après 29 et des brouettes. Donc je n'ai pas pu vous le présenter avant par manque de temps. Donc là, on va faire nouvelle partie et on va essayer de recommencer. Donc au niveau de la ville, on va mettre le nom de la ville, c'est Jérôme FPS. Voilà, alors on va laisser le thème par défaut comme ça, hop, voilà. On va mettre difficulté équilibrée, alors on va mettre décontracté. Pourquoi? Comme ça, ça permet de bien expliquer. Souvent on va mettre équilibré, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver en même temps que c'est un peu compliqué d'expliquer. Donc moi souvent je mets pas bac à sable, mais je mets décontracté. Alors dit tacticiel, on va l'enlever parce que c'est bon, je le connais un peu. L'histoire, on va laisser. Et la carte minière aléatoire, on le laisse. Donc là, on va faire commencer. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on ait des robots. On va devoir recréer, entre parenthèses, une civilisation de robots dans le désert. Le problème, c'est qu'il va falloir faire du cactus pour de l'eau. Il va falloir récupérer du bois. Il va falloir récupérer du charbon. Mais on va devoir travailler en sous-sol pour avoir d'autres objets. Et donc, le problème, c'est qu'en travaillant en sous-sol, il faut faire attention de ne pas faire écrouler tout ce qui est au-dessus. You see all those stars up there? That's where we'll live once we escape this world. There's so many. Which one? Whichever one you want, kiddo. How will we get all the way up there, Pa? By following my plan, little friend. What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. Lucky that Pa found you then. Sure is nice with someone looking out for us. Quite. How will you help us then? Allow me to explain. Long ago, a great hoard of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pa and I are really good at digging up things. Yes, you bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command to make sure we get there. Who's that? You, of course. Wow. Does that mean I'm gonna be a hero like you? Heroes give people hope, yeah? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. Alright folks, time to get to work. We'll have to stay focused in order to get to the old tech and escape this rock. You hear that? Something is making a noise. Probably just some old hinges on the mineshaft elevator that are creaking. We'll get working in no time. You better. I'll be ruined if this doesn't work out. You hear? Ruined. We'll need to get this city up and running first and foremost, though. Squeeze the area for resources and the people for all that they're worth. That's mighty harsh, man. Just get it done.
Alors, là voilà. Donc, dans l'histoire, ils disent que ils veulent retourner, entre parenthèses, dans les étoiles, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a un objet très important en dessous du sol, ouais, vraiment très profondément, à récupérer. Donc c'est pour ça qu'on va devoir travailler par le dessus, mais aussi par le dessous. Donc au-dessus, on va créer une ville avec des employés, donc de plusieurs catégories. Et en dessous, on va travailler aussi avec des autres employés qui vont juste, eux, aller chercher cette pièce qu'ils ont besoin. Donc, première chose à savoir, c'est que le jeu est complètement français, ça c'est très bien. Parce que la démo, je vous l'avais présentée en anglais et c'était un peu compliqué. Ok, donc là voilà, j'ai réactivé quand même le tutoriel au cas où je viendrai à oublier quelque chose, c'est quand même plus important. Donc là, on a le WASD pour pouvoir bouger, sinon on peut bouger directement avec la souris, comme ça. Donc là, les ouvriers ont besoin d'un endroit pour vivre, alors construisons des logements. Première chose qu'on va faire, on va construire 6 logements. Alors, le but en vérité, c'est première chose de réparer cette gare pour pouvoir faire passer un train. Et ici, alors, je sais plus où ils l'ont mis. Ici, il va falloir réparer un puits pour pouvoir commencer à creuser. Alors, normalement, il est ici quelque part où il va apparaître après. Et non, on est censé avoir un système. Non, c'est moi qui va le mettre. Alors, on va pouvoir mettre un puits sur le sol. Alors, ici, on va mettre les 6 logements. Donc, à savoir qu'il va falloir calculer aussi qu'on a des magasins et tout à mettre. Donc, on va pas mettre n'importe où. On va mettre un logement ici. Voilà. On va mettre un logement en face. Voilà. On va mettre des logements ici, mais on va laisser un pour passer une route. Voilà. Et là, un peu pareil. Et là. Comme ça, on va pouvoir, comme ça, comme ça, comme ça, faire directement tout ce qu'on a besoin. Alors, vous voyez, comme là, on a besoin d'un market. Donc, le market, quand vous allez le poser, ça va vous donner une ligne bleue. C'est la ligne où le magasin agit, on va dire. Donc là pour l'instant, toutes les maisons ont ce qu'il faut. On va le mettre ici. On va le mettre ici et après on verra si on doit le bouger. Donc je le mets là. Hop. Donc là, ils sont contents. Et la première chose à savoir, c'est que quand vous cliquez sur une maison, on va vous demander des satisfactions. Alors on va faire ça. On va vous demander des satisfactions. Par contre, je pense que je vais descendre un petit peu. Ah ouais, sauvegarder. Options, audio, vite fait. Volume, ambiance. Parce que je trouve que là c'est un peu trop fort. Je vais juste laisser le principal. Voilà. Normalement, on devrait avoir. Alors, comme je disais, quand vous cliquez sur la maison, on a un besoin non satisfait. Le market, donc le magasin. C'est bon, magasin général. Ici, on a l'atelier d'entretien. On l'a pas. Donc, on a un niveau de satisfaction de 50%. Donc, le magasin d'entretien, bien sûr, c'est des robots, c'est pas des humains. Donc, ils vont pas demander trop de nourriture, mais ils vont demander des réparations. Donc là, on est bon. Ici, on va aller sur l'entrepôt et on va nous demander de construire, alors, un forestier en premier. Alors, à savoir que le forestier. Là, on peut cliquer dessus, on récupère de l'argent. Le forestier, on va pouvoir le poser à des endroits où il faut que ça soit fertile. Donc, vous voyez ici, on a marqué fertilité 100%. Si je le mets là, je suis en fertilité 0. Si je le mets là, je vais être en fertilité 100%. Donc, moi, je vais faire comme sur ma démo parce que je trouvais que c'était très très bien. On va tirer un trait ici. Hop, voilà. On va tirer un trait. On va tirer un trait comme ça. Voilà. Et je vais faire. Ici, tout ce qu'il faut pour le bois. Donc le bois, on clique dessus, on va là, on va mettre un truc ici. On est en fertile 100%, on clique dessus. Voilà. Donc là, on en a mis un. Normalement, je suis censé en mettre un deuxième, on le mettra après. Là, pour le moment, c'est bon. Et on va construire un entrepôt. Donc l'entrepôt, attention, il faut qu'il soit décerné aussi par les deux. Vous voyez toutes les zones bleues. Donc là, moi, je vais mettre l'entrepôt à peu près ici. Pourquoi? Comme ça, si je veux continuer à mettre du bois, on pourra continuer ici. Donc là, l'entrepôt est là. À savoir que voilà, l'ouvrier va prendre le bois et va le ramener automatiquement. Alors vous avez des temps. Ici, pour faire un bois, c'est toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, je fais un bois. Là, c'est l'entrepôt, donc on a la gestion de l'entrepôt. Alors, une scierie. Pareil, donc on va cliquer ici, là, et une scierie. Donc la scierie sert à couper le bois en planches.
Alors, on n'est pas obligé de mettre la scierie sur quelque chose qui est fertile. Donc moi, la scierie, je vais la mettre en face de l'entrepôt. Pourquoi ? Parce que lui va récupérer le bois là, va le ramener ici, et ça va se mettre en face. Et automatiquement, la scierie, une fois qu'elle aura tout coupé, on le remettra dans l'entrepôt. Donc, on est bien. J'aurais peut-être même pu mettre lui un petit peu plus près, mais bon, c'est pas grave. À savoir que normalement, je vais être censé en faire un deuxième. Donc, ce que je vais faire, on va faire un deuxième directement, tout de suite ici. On a 85%. Alors, on a 100%. Je vais mettre deux bois, parce que vous allez être rattrapé assez rapidement. Il y a des choses où il faut du bois pour les construire. Donc là, on est en manque d'ouvriers disponibles, moins 16. Donc là, il faut répondre aux besoins des ouvriers et augmenter le nombre d'ouvriers. Donc, c'est là qu'on va commencer. Alors, comme on a dit, je vais tirer un trait là, hop, je vais tirer un trait là à peu près, voilà, et je vais tirer un trait là. Faire par exemple un truc dans ce style, voilà. Voilà, et un peu pareil ici, hop, on va mettre jusqu'ici, et toi, hop, voilà. Donc, on va mettre des maisons, à savoir que il faut pas mettre trop vite les maisons, alors on vous demande de mettre 200 habitants, mais le problème c'est qu'une maison, une fois qu'elle va être satisfaite, ça va augmenter. À savoir que là, en argent, on a 5 sur 11. En ouvrir, on a 4 sur 6. Quand je vais prendre l'atelier que je vais mettre ici, voilà, ça va augmenter le volume de la maison. Donc, regardez ici. Hop. 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 Donc là, on est à 100%. Et on n'avait que 4 ouvriers sur 6. Et maintenant, on a bien 6 sur 6 ouvriers. Donc, si vous arrivez à bien faire les demandes, vous aurez un maximum d'ouvriers dans les maisons. Donc là, on est à 6 sur 6. On va remettre quelques maisons. Donc, qu'on va mettre juste à côté. Donc, ouais, celle-là, elle passe pas là. Alors, on est encore au niveau... Vous voyez, si ça devient bleu, c'est qu'on est bon. Sinon, on peut les mettre ici. On va mettre une, deux maisons. On va mettre une, deux maisons. Et je vais mettre une, deux maisons. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, pourquoi ça construit pas ? Parce que j'ai plus de bois. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, il faut faire super attention, il nous faut du bois pour construire toutes les maisons. Donc là, c'est pas grave, la scierie va travailler et on aura toutes les 15 secondes, on aura des planches de bois. Et ça me coûte 2 en argent. Ouvrier, on a 10 sur 10, on est bien. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça l'a construit. Et dès qu'on va avoir 2 morceaux de bois, celle-là, elle va construire. Donc là, on est à 64. Répondre aux besoins. Donc au niveau du besoin, on est bon pour le moment. On va attendre un petit peu. Alors ça, ça va monter après. Il faut monter ça en premier. Et là, répondre aux besoins des ouvriers. On est à 2 sur 5. Mais normalement, c'est bon. Les ouvriers, on a répondu. Ah, on est à 2 sur 5. C'est parce que le premier, la première demande, c'est le magasin. La deuxième demande, c'est l'atelier. Donc après, par la suite, ils vont nous demander du charbon, de l'eau. Bon, de l'eau, ça avait été, comme je vous ai dit, les cactus. Ils peuvent demander de l'alcool, des trucs dans ce style. Donc là, on attend qu'ils font les planches. On va avancer peut-être un petit peu le temps, si possible. Voilà, on va mettre au niveau 2, histoire que ça va un petit peu plus vite. Voilà, la maison, elle est construite. On attend, la satisfaction est faite. Ça, c'est très très rapide. Hein. Ça va très très vite d'avoir une satisfaction. Alors, maintenant, on a une nouvelle demande. Regardez, on nous demande de l'eau. Donc, il faut un cactus. Ici. Donc, ici, pardon, on va aller là. Voilà, on peut mettre un truc avec des cactus. Alors ça, on n'est pas obligé d'avoir des trucs fertiles. Je vais le prendre. Je vais tirer une route là. On va le mettre ici. Voilà, on va le mettre là. Alors, j'ai pas... je vais regarder. Au niveau de la demande, je suis bien. J'en ai partout. Donc, je peux même le mettre un petit peu plus loin. On va laisser là. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez devoir mettre un champ de cactus. Vous cliquez dessus, vous marquez « Placer le champ ». Et là, vous mettez un champ comme ça, et à peu près un champ comme ça. À savoir que c'est 3 champs. Donc là, on va commencer à avoir de l'eau. Donc ça va presser le cactus, ça va nous ramener de l'eau. Donc, il faut attendre quelques secondes, et vous allez voir que ça va augmenter ici. Donc dès que ça va arriver dans le magasin va distribuer automatiquement l'eau. Et donc, on aura une satisfaction. Et donc, à la place d'avoir 6 ouvriers dans la maison, on aura 8 ouvriers dans chaque maison. Voilà, regardez, là, l'eau commence à arriver. Voilà. Donc là, on a 7 personnes dans les maisons. Et voilà, on va bientôt avoir 8 personnes dans les maisons. Donc là, on est à 3 sur 5. Donc ça, c'est la troisième demande. Après, par la suite, ils vont nous faire encore des demandes, genre charbon et ainsi de suite.
Alors, on va replacer quand même quelques maisons, parce que c'est sûr et certain que c'est pas ça qui va nous faire venir une centaine de personnes. Il me manque des planches, mais je vais poser quand même. Hop, et là il manque des planches. Alors, n'hésitez pas à les poser, c'est pas grave, une fois qu'il y a les planches, elles vont se construire. Donc, là, on est bon, maintenant, on a une nouvelle demande. Quand on va cliquer dessus, on a une demande en charbon. Donc, le charbon est ici. Et pareil, quand vous allez... Le charbon a besoin de bois. Donc, pareil, on a mis deux bois, on est tranquille. Donc, on va mettre un four à charbon. Le four à charbon, je vais le placer à peu près ici. Voilà, il va me demander des planches, c'est pas grave. Et voilà. Et on peut commencer aussi à avoir des diamants. Vous voyez, là on a de la demande en bois, mais il y a certains logements, on va avoir de la demande en diamant. Pourquoi? Parce que il y a des maisons un peu plus luxueuses, on va dire. Donc là, ça va construire les maisons, et après, ça va faire le charbon. Une fois que le charbon arrive, on va arriver sur le niveau 4. On est déjà à 140 habitants. À savoir que la maison, on est à 8 sur 10. Donc, on va gagner 2 habitants par maison. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34. Donc, on aura 34 personnes en plus. On a 144. Il y aurait peut-être 2, 3 maisons à rajouter. Et on sera bon. Donc, on va attendre que le charbon se fait. Donc, pour l'instant, il me faut 2 planches. La deuxième planche va bientôt arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, là, on est bon. Là, on est bon. Alors, à savoir que vous voyez, là, ça va récupérer du bois. Toutes les 30 secondes, ça va me donner un de charbon. Et il me faut 4. Donc, c'est même pas 3, c'est 4 planches. À savoir qu'une maison, c'est 2 de bois. Voilà, elle est construite ici. Donc là, on est bon. On est sur la 4e récompense. Donc, les logements, vous allez voir qu'on va être satisfait. Il faut juste attendre un petit peu. Et vous allez voir que ça va monter au niveau de... Alors, après, il va falloir réparer la gare. Donc, pareil. Pour réparer la gare, il me faut 4 morceaux de bois. C'est une demande. Donc, ils veulent que la gare marche. Qu'on va attendre, voilà, que le charbon arrive. Et une fois qu'on aura les 4 planches, on va réparer directement notre gare. On va attendre un petit peu. Donc, vous voyez, hop, c'est bon, le charbon arrive en ville. Donc là, on va avoir 10 ouvriers, on est passé à 180 ouvriers. Et à savoir que si maintenant je mets la demande peut-être du train, on aura peut-être un petit peu plus. Donc on va attendre, on est à 5, on répare. C'est parti. With the old girl up and running again, we'll be able to ferry in supplies much easier. Wait, what's that? Well, looky here, someone was hiding back there in the shadows. Oh my, no, not hiding, sleeping. The train is running. Hello? It's just an old rusty bot. I can have my enforcer throw him out. Yep. Ma'am, that ain't no way to treat a stranger. We're happy to meet you. I don't want to be a stranger. I am the trader. This is what I do. That sounds mighty helpful, partner. Welcome. I will join. The rumbling of the ground scares me. Why can't I remember? Voilà. Donc là, le train est en marche. Donc la gare te donne des accès aux échanges possibles d'acheter et des objets. Donc là, échange en cours, j'ai rien à échanger. Après, ici, on a la boutique d'objets, ici. Donc c'est 1500 plus 3 rubis. On a les bonus de renfort et on a les rubis. À savoir que je peux transformer 3 rubis pour 8000 d'argent. Alors, ça, c'est vraiment des choses qu'on utilisera après. Donc là, pareil, on doit augmenter à 180. Donc là, on a le train, on a tout ce qu'il faut. Mais on n'a pas assez de maisons. Donc, on va essayer de regarder. Cette maison-là, elle peut encore marcher. Et cette maison, elle peut encore marcher. Normalement, une fois que c'est fait, on devrait passer les 200. 196, 197. Ouais, on devrait avoir les deux. Voilà, c'est bon. Donc là, on a déverrouillé. On est bon. On est go. Donc là, à savoir que maintenant, on a besoin d'outils. In order to get the mine shaft up and running, we'll need the engineers. But there are still many unknowns to overcome before we can reach the old technology below. You mean there's stuff you don't know? Well, that's a surprise. Charming. It's unlikely that you may have any other questions that I... Well, if that's the case, Smarty Pants, I've been hearing this weird song since we came here. Almost like a sad song.
It confirms my suspicions. You can hear it. So you hear it too? No, I do not hear it. But I... What is it then? The city that used to exist here was entirely dependent on the technology that powered it. This technology all responded to the same control signal. Voilà. Donc elle entend l'objet qui est dans le sol. Donc maintenant, il va falloir avoir des ingénieurs. Donc ici, on a la catégorie ouvrier, et là, on aura la catégorie ingénieur. Les ingénieurs vont plus aller travailler en sous-sol. Les ouvriers vont plus travailler au-dessus. Donc, pour pouvoir passer en catégorie, vous cliquez dessus. Vous allez regarder dessus sur les logements. Donc là, on est bon. Alors, améliorer les ouvriers en ingénieurs. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc là, on est bon, pardon. On va cliquer là-dessus. Ingénieur. Ok, on va faire ça. Donc, hop. Voilà, logement d'ingénieur. Ah, quand vous cliquez là et là, ça donne. Donc là, si je clique dessus, ça va changer. Alors, pour mettre une maison en ingénieur, il me faut 300 en argent, 3 planches et 3 outils. Donc, on va cliquer. Voilà, une maison, deux maisons. The city is getting cramped. We must expand. Get it done. Ok, d'accord. We'll need more space for factories. And more importantly, homes. There used to be so many homes here. Now? There is just sand. Wonder where it all went. Oh, spare us your incomprehensible blathering rust bucket. Invorsa, round up your deputies and get that rubble cleared. Yep. Alors là, j'ai pas fait la troisième. On va cliquer, on va faire la troisième. Alors, pour la troisième, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on me demande. Donc là, je commence à avoir des ouvriers qui vont arriver. Des ingénieurs, pardon. Alors ça, il faut cliquer dessus, ça donne de l'argent. Ou ça donne des planches. Là, de temps en temps, il y a des ronds qui se baladent. Ça peut donner 4000 en argent. Et ça peut donner des planches. La main-d'œuvre constituée d'ingénieurs compatible sépare lors de l'amélioration des ouvriers. Ok, d'accord. Alors, là, on est bon. Il va falloir sélectionner la mine cassée. Elle est ici. Alors, ils ont changé de place. Avant, la mine cassée, justement, elle était ici. Dans cet emplacement-là. Maintenant, elle est là. Ok. Donc, pour la réparer, il faut l'argent, 12 000 et 8 planches. J'ai ce qu'il faut. Non ? Ah non, j'ai pas assez d'ingénieurs, par contre. Connexion à la gare, non. Bon, ça, on fera une connexion à la gare. Et il me faut aussi 18 ingénieurs. Donc, on va la connecter à la gare. On va essayer de faire un truc dans ce style-là. Voilà, hop. Enfin, elle est connectée à la gare. Donc, normalement, si je clique dessus, elle est connectée. Mais par contre, il me manque... des ingénieurs. Donc il va falloir que je refasse quelques maisons, si possible. On va essayer d'en faire une pour voir. Et deux. Allez, juste voilà. Il faut qu'on passe à 18. On a le train qui passe. Pour l'instant, on prend rien. On est passé à 18. On la répare. Ok, donc là, elle est réparée. Et on va pouvoir travailler directement maintenant dans la mine. Alors vous cliquez sur la mine... Aucun problème, tout est bon. Et là, on va cliquer ici pour rentrer dans la mine. Voilà. All right, we made it. We ought to set up some quarters for our miners and get started on digging. I feel the place shaking, though. Indeed. The planet is becoming more unstable by the moment. And when we find this tech we're after, you reckon my daughter will be able to fix it? Control of the old signal was passed on to descendants of those that lived here. And by chance, it was to be your daughter that was granted this most crucial gift. Never doubted she was special, that's for sure. We better go get whatever piece of the tech we can, then. It'll be out there in the dark somewhere. Alors, voilà. Donc là, on va cliquer là-dessus. Hop. C'est bon. Alors, ici, on a directement un ascenseur qui va arriver. Il faut que je place un pilier. Donc ici on va placer un pilier où on veut. On va placer un pilier à peu près dans la zone bleue. Alors vous pouvez le placer que dans les zones où il est bleu. On va placer, voilà. Alors à savoir que quand vous allez voir que la terre va se mettre à trembler, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas assez sécurisé le sol. Donc dès que la terre se met à trembler, vous allez dans le sous-sol et vous regardez vos piliers. Ici on va cliquer là, on va prendre ça et on va en mettre un... Ici, hop, voilà. Ici comme ça. Ici comme ça.
Ça doit être bon, non? Je sais plus quoi en place. Voilà, alors, salle est trop petite pour fonctionner. Une salle doit comporter 9. Donc là, ça fait 3. Bah, c'est ça. 9 tuiles au minimum. Ah, ok, d'accord. Au minimum. Ok, c'est bon. Voilà. J'allais dire, j'en ai mis 9. Ok, donc là, on a des ouvriers qui descendent. Et on peut leur demander de travailler sur des zones. Donc maintenant, je veux qu'ils fassent ces zones-là. Il va fouiller là. Hop. Hop, voilà. Ici, par exemple, c'est des outils. Alors, un ouvrier, s'il n'y a rien à faire, il va ramasser ce qu'il y a au sol. Comme ça, voilà. Mais c'est à moi de lui demander de travailler. Donc là, je vais cliquer là. Je vais dire, pardon, fais-moi ça, ça et ça. Et ça devrait être. Alors là, il va me demander de faire ça. Ici, on va récupérer des outils. Vous voyez, ici, il y a le dessin des outils. Donc, on va récupérer des outils. Non. Regardez, on est passé à 15. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais demander de travailler cette zone-là. Voilà. Et on va regarder surtout au niveau des renforts. Est-ce que j'ai besoin de mettre un pilier pour le moment? J'ai pas de zone bleue. Donc, tout est bon. Ça, il faudra faire attention aussi. Alors, c'est parti. Voilà, on a récupéré 5. Là, regardez, j'ai besoin de mettre un plié ici. Normalement, elle est bloquée, donc il faut attendre qu'il nettoie. On va attendre, voilà, et je vais poser un pilier. Pourquoi? Parce que, automatiquement, il ne faut pas que ça s'effondre. Donc ici, par contre, c'est des filons de ferrailleur. Alors, il faut un ouvrier spécial. Vous voyez ici en haut, j'ai deux nouveaux ouvriers qui sont arrivés. Et donc, il faut un ouvrier spécial pour pouvoir utiliser. Quand on va aller ici, c'est celui-là. Donc, condition d'ingénieur, c'est 20 sur 70. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire. Il faut que je recrute encore un mineur. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le mettre ici? Ok, j'ai recruté encore un mineur. Et après, il va falloir en refaire. Alors, est-ce qu'on peut leur demander de taper là-dessus? Je ne me rappelle plus. Non, il ne peut pas, je crois. Il ne peut pas piocher ça. C'est trop tout. Alors là, regardez, il est en train de sécuriser directement aussi les contours. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant tout autour? Parce que là, on n'a pas besoin. Là, on n'a pas besoin. Ça, c'est quoi? C'est un câble électrique. Ok, donc il va falloir que je refasse une zone. Il faut un troisième. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. On a tout retourné en ville. Alors, préparer la ville. Donc là, on va les laisser travailler. Voilà. On revient dans la ville. Donc là, le stock, je crois, il est plein. Parce quand il y a ça, je pense qu'il est plein. Augmente le nombre d'ingénieurs. Donc pareil, il faut refaire comme tout à l'heure. On clique là-dessus. À combien? À 70. Alors, je sais pas si ça va mettre autant. Mais... Voilà. On va attendre. Donc là, on est à 35. On va le faire tranquille. Alors, à savoir qu'on a aussi besoin de demande de un saloon. Donc là, on va commencer à faire de l'alcool. Pour faire de l'alcool, il faut faire très attention. Il me faut une usine à sable. Il me faut souffler le verre. Il me faut de l'eau et un distilleur. Donc, il faut le mettre dans le sens. Ici, j'ai besoin de ça. Alors, on a des zones. Ici, c'est très fertile, par exemple. Vous voyez? Donc là, c'est top. Par contre, ici, c'est 15%. Donc, on va le mettre à peu près ici. On va dire comme ça. On va peut-être le mettre plus comme ça. Alors, est-ce que je pourrais le mettre même là? Bon, allez, on va peut-être tenter plus ici. Alors, on va le mettre là. Voilà. Là, ça, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre à côté. Voilà. Donc, on va mettre une petite route. De là à là. Voilà. Et on devrait être bon. Donc là, ça va commencer à récupérer du sable. Après, ça va faire du verre avec le sable. Ça va me créer une bouteille. Et après, on va pouvoir faire de l'alcool. Donc, à savoir qu'à chaque fois, ça, ça prend 15 secondes. Ça, ça prend 30 secondes. Et ça, ça prend 30 secondes. Il faut faire attention. De ce côté-là. Je vais peut-être mettre un entrepôt. Vite fait. Histoire d'avoir quoi du stockage.
J'ai besoin aussi de ça. C'est quoi de ça? Non, j'en ai pas besoin pour le moment. Ici, c'est de la déco. Et ici, un saloon. Alors, le saloon, je vais le mettre là. Alors, il prend pas tout. Et si je le mets ici... Oh, c'est un peu mieux. Si j'arrive à le mettre là, j'arrive à faire une grosse partie des maisons. Voilà, c'est dans les bons. Donc là, on va attendre que ça fait des planches. Alors, je sais pas si j'ai trop au niveau du bois et pas assez au niveau des planches. Parce que là, j'ai des planches. Donc c'est combien ça? 4 planches, 10 planches, 8 planches. Donc là, normalement, 4 planches, ça devrait se construire. Ça se construit là. On va continuer, on va attendre. Il y a trop de livraisons pour cet entrepôt. Après, c'est sûr et certain qu'il y a tout autour. Hein. Peut-être en refaire un là, vite fait. Il y aura deux entrepôts. Donc là, le train, il est ici. Le temps, je l'ai mis en x2. Alors, on ne peut pas le mettre plus rapide, hein, par contre. On est à 40 sur 70 ingénieurs. J'ai pas assez de plans, j'ai pas assez d'outils. Alors les outils, on peut les trouver ici en bas. Donc il va falloir commencer à creuser. Regardez, je peux trouver des outils ici, par exemple. Donc on va demander pour creuser là. Hop, hop, allez, creuser ça. Alors comme maintenant ils sont à 3, ils vont aller plus vite. Hein. Voilà, on a découvert une salle. Donc là, on a découvert une salle. Et on va regarder si j'ai besoin de renforcer. J'ai besoin d'un renfort ici et d'un renfort ici. Ça, je peux l'ouvrir. Ok. Et je vais peut-être pouvoir aussi faire... Alors là, on a quoi? Ferraille. Là, on a ce qu'il faut là. Hop, toi tu prends ça. Alors là, les blocs rocheuses, normalement, je peux pas les casser. On va essayer de faire un maximum. Voilà. Enfin, attention, j'ai pas assez de planches. Par contre. Parce que j'ai besoin d'une planche pour faire un pied. Alors, ils vont tout nettoyer. Ils vont tout renforcer. Pour l'instant, je peux pas avoir encore d'ingénieur comme ça. Il faut que je passe les 70. Alors, vous voyez, il y a, tu peux avoir un risque d'effondrement. Voilà, là on l'a plus. On n'a plus le risque. Donc là je vais cliquer ici. Au niveau des planches, je suis à 1. Au niveau du bois, je suis à 0 en stock. Donc ouais, il n'y a pas assez de bois. Hein. Bon, vraiment, ouais, on va faire un peu plus vite. Voilà. Et je suis en planche, mais il y a 2 bois. Ça va pas assez vite pour tout ça. Alors là, ils font tout renforcer. Pour le moment, on va se mettre comme ça. Donc on a besoin de bois. Alors on va aller là. Là, là, et on va faire bois. Donc, forestier. Si je me mets là, je suis qu'à 42%. Là, je suis à 0%. 28, 42, 14. Là, je suis déjà en train de taper là-dedans. Donc, on va faire un 100% ici. Voilà, on va mettre un petit chemin. Voilà. Voilà. Alors, à savoir que si, voilà, je mets un ici... La 100% et lui on a 100%. Donc là on est bien et là je suis à 100%. Donc ça devrait le faire. Ici pour le verre ça commence. On va pouvoir aussi faire le saloon. Donc là il faut attendre pour le saloon. Il me faut 12 planches.
Il faudra peut-être que je refasse une note Siri. Ici, on va la mettre juste à côté. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire une deuxième série. Histoire de voir s'il y a possibilité de faire des planches plus rapidement. Là, on est déjà à 6, donc c'est bien. Parce que là, il y a trop de stock. Là, il faut combien? Il faut 4 planches. On est à 6. Et là, il faut 12 planches. Et après, il va falloir qu'on continue à faire ça. Des ingénieurs. Voilà, normalement, je vais essayer de faire les 3 là, on verra bien. Let's go. On est bon. Donc là, on a les 70. Donc si on veut, on peut mettre des routes en pavé maintenant. Bon, c'est payant. Hein. C'est 100 plus un outil. Donc pour l'instant, on va laisser en terre. Ici, on peut faire un fabricant d'outils directement. À savoir que la ferraille, on va la trouver dans la mine et on peut la fabriquer. Et ici, on a un bureau d'inspecteur. Alors, alors construire un quartier de prospecteurs. Donc là, on y va. Logement d'ingénieur, saloon. Pioche, donc on va attendre. Je vais aller voir en bas. Donc ici on est bon. Est-ce qu'on peut avoir lui? Normalement, oui, on peut l'avoir. Vérifier. Voilà, ici. Donc là, on est bon. On a besoin de combien de cases pour lui, par contre? Il n'est pas noté. Non. Je vais le faire ici pour moi. Normalement, dès que j'ai réussi, voilà, il descend. Alors, lui, il va automatiquement chercher. Directement. Dès qu'on va découvrir ça, il va y aller, il va venir le chercher, il va le mettre dedans. Et donc, ça va m'augmenter. Alors, ça, c'est quoi? C'est de la ferraille. Hein. Donc, c'est un filon de ferraille. Ça va m'augmenter quoi? La ferraille, c'est tout. On va attendre. Donc là, il y en a là, et il y en a un ici, des filons, donc ça devrait passer. Et après, on verra si on doit continuer. Alors, construire un fabricant d'outils. Un fabricant d'outils. Alors, fabricant de pioches, c'est ça? Non, là. Fabricant d'outils, pardon. Il m'en faut un. Donc, on va faire ça. On va le mettre ici. Ça devrait être bien. C'est parti. Donc là, on va regarder. Ah, ils ont mis le saloon. Donc en mettant le saloon, j'ai 83% de satisfaction. Il me manque le bureau d'inspecteur. Alors pareil, le bureau d'inspecteur, il va falloir en mettre un ici à peu près. Là. Hop, voilà. Donc lui, il faut quoi? Il faut 5 outils. Justement, on va faire le magasin d'outils et 4 planches. Donc il faut qu'il construise lui avant. Et après, on aura ce qu'il faut. On n'a pas... il nous faut des ouvriers. Donc il n'y a plus assez d'ouvriers pour travailler. On va mettre des maisons d'ouvriers. J'ai plus assez de planches, ok d'accord. Donc là les ouvriers, on est à moins 16. Ça va augmenter un petit peu puisque je viens de mettre deux maisons. On va attendre des planches, on va essayer d'en remettre un petit peu. Quelques maisons d'ouvriers. C'est jamais perdu. Voilà. On est à moins 4, moins 0. Donc là, c'est bon. Il nous manque pas. Donc on a mis pas mal d'ouvriers de mine. Là, il me faut des ouvriers normaux pour pouvoir bosser en haut. Sinon, ben, tout ce que je mets, ça ne marche pas. Là, on a de l'alcool dans le saloon. Donc ça devrait être bon. Des routes. On s'en fout pour le moment. Et ça, on s'en fout pour le moment aussi. Construire un fabricant d'outils qui est là. Donc là, il lui faut 10 planches et 3000. Ah, on va attendre les 10 planches, bien sûr. Ça devrait aller assez vite, on est déjà à 7. Ok, voilà. Le fabricant d'outils, il est ici. Donc lui, il va me fabriquer des outils tous les 15 secondes. A savoir qu'il a besoin de la ferraille. La ferraille ne peut être trouvée que dans la mine. Utilisée pour fabriquer des pièces détachées.
Donc voilà, la ferraille, on l'a ici normalement. Là, on a déjà 16 morceaux de ferraille. Donc on va redescendre dans la mine, voilà. Et on voit qu'il continue à ramasser. Vraiment. Alors si je veux que ça ramasse plus vite, j'ai juste à rajouter 9 carrés et j'aurai un de plus. Je vais attendre parce que j'ai pas trop de bois, mais je voudrais encore un petit peu piocher. Alors, je dois faire un fabricant de pioche. Alors, fabricant de pioche, il y a ici. Le problème, c'est qu'il me faut 104 ingénieurs. Le problème, c'est que j'en ai pas 104. Il va falloir que j'améliore des maisons. Mais à chaque fois que j'améliore des maisons, ben, je perds. Donc là, j'ai pas assez d'outils. Donc, il me faut des outils, de toute façon, dans tous les cas. Il faut qu'ils me font des outils. Ils m'en font un tous les 15 secondes. En attente de ressources, par contre. Pourtant, des ressources, il y en a. Il est en train d'en monter, normalement. Alors, est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui qui me le ramène. C'est lui qui va le ramener, je crois. Ah, c'est ça. En réalité, c'est un bonhomme qui va le ramener. De là-bas à là-bas. Ok, d'accord. Alors, raffinerie, entrepôt peut livrer leur production. Ok, donc si je mets un entrepôt plus près, je serai tranquille. Ils disent que les ressources sont dispatchées dans les entrepôts. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qui sera là, sera dans les entrepôts. Quelque chose qui sera ici, sera là-bas. Donc là, il va peut-être me le ramener là plus vite. Donc j'aurai plus de stock et donc il ira plus vite. Ok, on a réussi à évoluer. On va attendre. Alors, c'est quoi de ça? C'est du fer, ça, non? C'est la... Voilà. C'est de la tôle. Voilà. Alors, est-ce qu'il me demande ça pour le moment? Non. Il me demande quoi? Des pièces détachées. Ok, d'accord. Alors, il va me falloir un magasin de pièces... un fabricant de pièces détachées. Il faut de la ferraille. Il faut de... ferraillonnure trouvée dans la mine aussi. Et le fabricant de pièces détachées. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre, lui? Il faut 6 outils. Ok. Alors, on va y voir dans la mine, quand même, si on peut pas commencer un petit peu à piocher. J'aimerais bien essayer de fouiller un peu, là, on va dire. Je vais demander pour qu'il fouille ici. Et hop, les gars. À savoir qu'il y a certains blocs, vous pouvez pas les toucher. C'est fait exprès. Alors, on a découvert quelque chose. Donc là, est-ce que je peux détruire ça? Oui. On va voir si on doit renforcer. Ouais, ici au moins. Voilà. Donc là, on va récupérer tout ce qu'on a besoin ici. Ça, on peut pas le faire. C'est de la rocheuse. Ça, on peut pas le faire aussi. Vous voyez? Voilà, là, on peut y aller même là-bas. Pour le moment, il n'y a pas de danger. On essaie de récupérer de la ferraille. Alors, est-ce qu'on s'est passé là? On va arrêter, on va demander qu'il nettoie avant, pour justement pouvoir renforcer ici. Il y a quelque chose là aussi. Alors, est-ce qu'il pourrait nettoyer là? Ah non, bah ça devrait être bon. Tu peux produire des pioches et des fois... Ok, d'accord. Bon bah on va continuer alors le faire là. Donc là tout ça on peut pas le casser. Ces deux là je peux les casser. Et là je peux pas passer. Va falloir que je regarde si je peux passer par autre part.
Voilà. Ça. Alors. Interagir avec le coffre pour l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est quoi de ça? Il faut un atelier de ça? Ah, au moins que ça marche pour ça, attends. Non. Ça va faire quoi, ça? Ça doit faire sûrement quelque chose. Ah non, je peux le mettre sur un ferraille. En vérité, si je le mets là-dessus, ça va réparer, ça va extraire la ferraille plus rapidement que ce que lui fait. Ah, c'est bon, je peux l'ouvrir maintenant. Ok, j'ai récupéré une pièce. Là, je peux pas y aller. J'ai encore une pièce ici. On va les laisser faire un peu. Alors, je vais juste regarder si j'ai besoin de renforcer. Normalement, non. Ça devrait aller. Il renforce aussi. On va attendre un tout petit peu. Ah, fabricant de pioche. Est-ce que je peux le faire ou pas maintenant? Parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Alors, place ton objet dans le bâtiment. Bon. Ok. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, on va aller là. Fabricant de pioche, c'est ça? C'est ça, un fabricant de pioche. Je vais en construire un ici. Je sais pas. Non, peut-être pas trop loin. Si je peux le mettre ici, ce serait bien. Voilà. Il y a à côté des trucs, comme ça, je serai tranquille. Voilà. Extraire le filon de ferranium. Il faut que je regarde si j'en trouve. Alors, ça, c'est quoi, ça? Filon de ferraille. Ok. Mais il doit avoir un autre filon, là. Quelque chose d'autre. Il est là. Filon de ferranium. Alors, il faut que j'en trouve un autre. Parce que là, il n'est pas au bon endroit. Voilà. On va regarder si on trouve rien ici. Il va falloir que je mette des piliers par contre. Alors, toi, je peux te casser ou pas? Parce que maintenant, je peux le casser. Ah ouais, maintenant, on peut les casser. On a des meilleurs outils. On va attendre quelques secondes. Alors, je peux mettre un truc ici, histoire que ça s'effondre pas. Voilà, il est là. Et donc, je peux mettre ça dessus. Est-ce que ça extrait là ou est-ce que ça extrait là? Alors, l'atelier n'est pas une taille suffisante. Ok, donc il me faut un atelier un peu plus grand. Sur... Ah, il faut ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est go. Alors, lui, pareil. Je vais juste vérifier ça. Est-ce que je peux le mettre là? Non. Je sais que je l'avais déjà mis. Alors, lui, il est là. Voilà. Quelque chose qui va revenir. Aucune ressource à extraire. Alors, bah lui, comme il extrait là, moi, je pense que je vais extraire ici. Je vais pas extraire là. Non, bah, on va extraire là. C'est parti. Donc là, il y a un mécanicien qui va venir construire quelque chose. Et lui, il va récupérer la ferraille beaucoup, beaucoup plus rapidement. On va attendre quelques secondes. Alors, qui va extraire ça aussi? C'est parti, regardez. Voilà. Ça récupère beaucoup plus rapidement. Voilà, ça le pose. Et donc après, bah, lui, il a juste à les prendre.
Voilà, et les ramener. Il n'y a plus besoin de piocher. Alors, extraire les filons de fernium. Alors, comment on va extraire ça maintenant? Go, j'ai mis un gars dessus. Alors, on va refaire un truc là pour qu'il va là-bas peut-être. Non, ah bah non, c'est bon, il a changé. Et donc, je l'ai mis là. C'est parti. Voilà. Donc là, on va récupérer. Ici, voilà, on en récupère. Donc, ton première pièce de technologie ancienne. Place ton bâtiment. Donc, non, c'est bon. Alors, on va remonter en haut. Voilà, on revient ici. Et donc là, il faut que je mette ma première usine de tôle. Oui, peut-être, je vais peut-être pouvoir la mettre là. Voilà, et je vais mettre un chemin ici. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Donc là, on va pouvoir faire de la tôle. Il faut que je trouve la première pièce. Place ton objet dans le bâtiment. J'ai pas d'objet. Alors, on va essayer de refaire un bleu comme ça. J'en aurai besoin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est go ? Ouais, c'est bon, on a les 9. Est-ce que je saurais remettre un comme ça dessus ? Ah non, position bloquée, aucune à extraire. Ok, d'accord. Par contre, là, je sais pas trop pourquoi il n'a pas voulu l'extraire là tout à l'heure. Position bloquée. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est bloqué. Alors, pour l'instant, on va l'enlever. On verra bien après. J'ai encore quelques bricoles ici enlevées. Voilà, j'ai un truc ici aussi. Est-ce que je peux le faire? Je vais voir. Ouais. D'accord, il y aura plusieurs. Par contre, ça va plus. Voilà, j'ai récupéré de l'argent. Et ça m'a fait découvrir ça. Ah, vas-y, ben fais-moi les trois là pour moi. Les deux là, ça. Ouais, pas mal. On va pouvoir peut-être taper toute cette zone là. Hein. Je vais juste voir si ça peut pas chuter. Et là, on va dégommer tout ça. Voilà. C'est bon. Ça risque de s'effondrer. Ouais, je vais attendre qu'il finisse et après je vais lui demander qu'il nettoie. Et on va pouvoir le faire. Voilà. Voilà, plus de danger. Donc on a pas mal de trucs quand même, on a de la tôle, on a tout. On a libéré une bonne place. Cette place là aussi je pourrais la libérer si je veux.
Voilà. Allez, c'est parti. Ah, il va falloir que je regarde si je peux passer par là. Pour voir après si je peux accéder ici. Parce que j'ai de l'eau. J'ai un coffre. Et j'ai pas vu si je pouvais passer par là. Donc je me demande si en passant par là, je pourrais peut-être pas casser... non, je peux pas faire une rocheuse encore. Donc je peux pas casser ici. Ok. Il faut que je renforce. Bon, j'ai juste dû en mettre un. Ça va, ça passe. On va faire travailler ici. J'en ai un là qui est intéressant. Alors, on va essayer de travailler dans les zones jusqu'à temps qu'on voit qu'on ne peut pas accéder. Voilà. Voilà. Donc là, on peut pas accéder. Il y a un trou. Ça, on peut pas y aller. Bon, ça, si je veux, je peux tous les casser. Ah, je vais déjà regarder si je dois pas sécuriser la zone. Si. Alors, on va juste essayer de faire ça. Bah ici j'en ai deux là. Ça, 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 ça. On va essayer d'enlever tout ce que je peux enlever. Je pense que sur la partie haute je peux plus rien enlever. Non, il va falloir qu'on garde ici maintenant. Donc là j'ai les deux là aussi que je vais pouvoir enlever. Ça, ça. Ici je peux rien faire. Et après je peux enlever ça. Voilà, déjà. Et je pense qu'après, il me faudra des outils spéciaux pour pouvoir extraire cette roche-là. Parce que là, c'est tout du renforcé. Ici, je peux pas passer. Alors on va laisser nettoyer, je vais juste regarder les zones. Alors là, je dois mettre un renfort, un renfort. Ah, il y a des chances que ça s'écroule, faut que je me dépêche. Voilà, vous voyez, le tremblement de terre, bah ça c'est parce que j'ai creusé sans trop renforcer. Et donc, bah, ça pose problème. Alors là, ils sont en train de renforcer les rebords, voilà. Pour éviter qu'ils tombent. Ah, j'aime bien ce qu'il me dit de trouver la première pièce de technologie ancienne, place ton objet dans un bâtiment. Et donc j'ai pas de... Ah, alors... La vitesse à produire à l'infini. Ok, d'accord. Si je fais ça, si je clique là-dessus... Ah oui, je peux mettre ça. Ah voilà, c'était ça là. Ok. J'avais pas cliqué sur le bon truc. Bon, j'aurais peut-être pu le mettre, je sais pas si je peux pas l'enlever. J'aurais peut-être pu le mettre dans le bois. Ah voilà, ça l'a enlevé, ça me l'a mis dans le bois. Je préfère. Alors trouve la première pièce de technologie, par contre ça je l'ai pas trouvé encore. Est-ce que je la trouve dans la mine ou pas? Ça j'ai pas vu. Ici on est bon, on a tout placé. Au niveau de la demande, on a tout. Par contre, il met besoin non satisfait. Ah ouais, il manque ça. Ok, d'accord. Il me manque ça. Voilà. Là, on ne devrait pas tarder à avoir la satisfaction.
On va attendre un peu. Ça c'est bon, ça c'est quoi? Un purificateur d'eau. Ah, parce qu'on a de l'eau sale là. Donc à mon avis, ça c'est pour l'eau. Bureau d'inspecteur, je l'ai mis, il est là. Donc lui, c'est lui qui surveille. Le salon, je l'ai mis. Tout ce qui est là, je l'ai mis. La mine, on est bon. Le train, il tourne. Donc là, on va devoir travailler au niveau de la mine plutôt. Je vais juste attendre pour voir si on a la demande. C'est quoi? Alors lui, il fait un tous les 62 secondes par contre. C'est énorme. Il va falloir attendre une minute à chaque fois, à peu près une minute et des ouettes. Donc ici, on est bon. Maintenant, j'ai le mécanicien qui est là. Mais je vois pas comment je pourrais passer. Je peux pas faire de pont, je peux rien faire. Donc là, on peut juste creuser. Ah, c'est quoi ça? Ben, si, on peut faire un pont, pardon. Mais il faut... Ah, il faut 200 ingénieurs pour faire un pont. Ok, d'accord. Accélérateur trouvé, ok, d'accord. Tapis roulant. Téléporteur. Ah, il faut des... il faut des ingénieurs en plus. Par contre, il me parle de trouver une pièce, j'ai pas trouvé. Essayer d'aller là. Ah, je peux peut-être le casser quand c'est fissuré. Si on a un bloc là fissuré, je peux aller. Ah, ok, d'accord. Mais je peux pas le faire s'il n'est pas fissuré. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que je peux casser celui-là et casser celui-là. Ah, ok. Bon, ça met un peu plus de temps, mais ok. On peut pas le faire sur un bloc plat. Et on a du... On a ce qu'il faut, là. Ah, je regarde ici, là. Si je vois pas un cassé quelque part. On va repasser. Non, j'ai l'impression que je peux passer là. Et ici, j'ai pas de cassé, là. Ok, d'accord. Donc lui, il est parti là-bas. Je peux pas casser ça. Par contre, vous voyez, celle-là, par contre, je peux pas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là? Ouais, là, il y a autre chose. Ah, les copains, ils arrivent ou pas? Ok, donc là, après, une fois qu'on a fini de creuser, on va arrêter la vidéo. Ça devrait aller. Là. Il doit y avoir quelque chose là, on va prendre ça aussi. Ça, je peux casser ça et récupérer là aussi. Oh, ouf, ça c'est nickel. Alors, on va laisser, on va vraiment protéger ici et là. Voilà. Alors, dans quel sens on va le faire? Moi, je pense que je vais plutôt aller là. Pour pouvoir récupérer ça. Récupérer un casque. On a du matériel ici. On va le placer après. Et on s'occupera de cette zone-là après. Là aussi, j'ai encore du rare. Là. Pas du rare façon dure, mais... Alors. Tape là.
filon dossal. De temps en temps, je les laisse ramasser parce que comme ça, ça me permet de pouvoir nettoyer et tout. Donc filon d'eau sale, j'ai pas ce qu'il faut par contre. Pour le moment. Ok, il y a pas mal de trucs. Ça aussi, l'or. Donc, je dois mettre quelque chose là-dedans. Non. Non. Ouais, il me demande le bonus de bois, c'est tout. Ok. Là, pareil, on peut creuser, il y a des rubis là. Alors, je sais pas c'est quoi ces fils. Je sais pas trop c'est quoi. La gare, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, est-ce que j'ai le filon d'eau ou pas? Non, je l'ai pas encore. Ah, il me faut des ingénieurs. Alors, on va travailler sur les ingénieurs, parce que sans ça, va pas aller. Hop, toi, tu peux. Ok. Alors là, j'ai plus assez de maisons, par contre, pour les ouvriers. On va mettre des ouvriers. Vite fait. Parce que moi je suis à moins 24 là. Hein. Enfin un peu trop. Et on va arrêter la vidéo là. Donc on a moins 12. Après le temps que ça s'améliore, là on a 10. Là il faut qu'elle s'améliore. Mais elle est un peu loin du market et tout. Je pense que ouais, c'est un peu trop loin du market maintenant. Il va sûrement falloir que j'en remette un. On va prendre ça. On va juste tirer jusqu'au bout. Toi, je te tire jusqu'au bout aussi. Faire comme ça, voilà. Et toi, je vais tirer jusqu'au bout, comme ça. Et je pense qu'on va devoir mettre un autre market ici, qui sera un peu pour les maisons. Hein. Je vais en mettre un au milieu. Hop, voilà. C'est bon. Comme ça, ils sont contents. Et donc là, ça va augmenter. Et il va falloir un réparateur aussi. Donc ici, un réparateur que je vais mettre à peu près ici. Allez, c'est bon. Donc là, on va pouvoir augmenter. C'est bon. Voilà. Donc là, on est bon pour tout ça. Au niveau des ingénieurs, on est bon. On peut faire l'eau. Donc là, on a le purificateur d'eau. Je vais peut-être le mettre ici. Alors, est-ce que ça va me ramener pour du monde? Voilà, ça me ramène quasi pour tout le monde. Donc si je le mets là-bas... Non, voilà. Stratégiquement, je vais devoir en mettre deux, sinon... Ouais, bah je vais le mettre ici là. Je pense que c'est le meilleur endroit où je pourrais le mettre. Pour le moment, ici. Donc là, on a le purificateur d'eau. On a besoin d'un stockage. Le stockage, je vais peut-être faire juste une ligne ici. Je vais pas prendre une ligne d'une maison. On va prendre un stockage. Voilà, comme ça, tu as ton petit stockage. Donc là, on a pas mal de planches. On est bien. Les ingénieurs, on va falloir en monter. Non, je pense pas. Je vais vérifier, mais je pense pas. Voilà. Donc là, et maintenant, on peut faire des ponts. Donc si je reviens, par exemple, ici. Je sais pas comment on va pouvoir faire. Situer au-dessus d'un gouffre. Ah, voilà. Place la construction. Je sais pas, j'ai bien envie d'essayer de faire un truc là. Hop, vas-y. Ah, voilà, là et là. Ok. Et donc là, on peut attaquer ici.
Alors au niveau de l'eau, je sais pas s'il faut sélectionner quelque chose ou pas. Je pense pas. Ok, voilà. J'ai récupéré quelque chose. Ok, donc on a récupéré aussi un nouveau truc, un nouveau temps. Que je vais pouvoir mettre en haut. Donc là, on va cliquer dessus. Et on peut placer pendant plein d'objets. Donc là, on a 80% de main d'œuvre en moins. Donc par exemple, il faut le mettre dans un endroit qui aurait peut-être besoin là. Ça peut-être. On va voir. Donc là, on est bon. Ok, bon, on va arrêter ici. Je vais juste faire une petite sauvegarde. Hop. Sauvegarder, ok, voilà. Et donc, si vous voulez une suite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous ferai une petite suite. Si par contre, il n'y a pas trop de votes, eh ben, on fera pas de suite. On passera sur un autre jeu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le pouce bleu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.